Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous allez ce matin? Moi, je vais super bien. How are you guys doing? I'm doing beautifully well, as you can see. I'm all right. So, I'm going to read the word. Je vais vous embrouiller un peu avec l'anglais ce matin. I'm going to read the word for you, okay? I'm reading from the book of John, John chapter 1. Bonjour. Vous allez commencer par m'écouter en anglais ce matin, avant qu'il parle en français. Okay, John chapter 1. In the beginning was the word. And the word was Jocelyn. And the word was Jocelyn. Heavenly Father, I thank you. For all the people that would watch this video, I thank you for your blessing upon them. I thank you for the people that will find my channel in the years to come. I put your blessing upon them. I put your strength, I put your power to speak. Lord, grant me utterance. Grant me words to speak as your oracle. I call forth and I allow our ancestors to speak here. My mother, my grandmother, my grandfathers, and all the other people who left us. Holy Spirit, take over. I purify the atmosphere. I purify the atmosphere from any attack of the enemy. Okay? Lord, help us to understand that we are the Word. I put purity and wisdom. May I speak with grace and power and strength, Lord. In Jesus' mighty name I have prayed. Amen. Amen. Let the vibration of love get in you today. Que la vibration de l'amour vous pénètre profondément. L'amour et la puissance. Ok. Partagez ma vidéo. Donnez-moi un like, s'il vous plaît. Sinon, ce que vous allez écouter ici, là, ça va même vous rendre bête. Ok. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Jocelyne. Et la parole était Jocelyne. Donc, on va mettre ceci au présent. Au commencement est la parole. Et la parole est avec Jocelyne. Et la parole est Jocelyne. Rien ne va commencer dans votre vie sans votre bouche. Vous m'entendez? On parle hier. Roberto Capuan. Parle hier. Tout commencera dans votre vie avec... Tout le monde écrit ici la parole. La parole. Tout commence avec... Vous êtes quelqu'un d'élève. Dites la parole, non. Good morning, Queen Gisela. Donc, je vais vous donner un guide pour monétiser vos dons. J'en parle depuis quelques jours. Et je sais que vous vous dites... J'ai mon petit salaire de 150 000, 1 500 euros. Elle parle de quoi? Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas dans vos professions par hasard. Tu t'es retrouvée infirmière, tu t'es retrouvée aide-soignante. Tu sais que tu guéris plus que ça. On te met sur un patient, tu es sûr que le patient va vivre. Tu es sûr, quand tu le touches, tu le laves 2 jours déjà là. Il va mieux. Ma chérie, ce sont tes dons. C'est ça que les hommes disent que je parle qu'aux femmes seulement.
Quand il parle, il dit que mon gars, ça fait bizarre. Mais quand il dit ma chérie, ça donne. Oh, you are. Donc, ceux qui arrivent au Cameroun venant de l'Europe, je vous en prie, prévenez-moi que vous venez. N'arrivez pas à vous m'appeler, que je pars demain. Je dois te voir absolument aujourd'hui. You know that's not going to be possible. OK? So, give yourself some chances. Help me to help you. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Je vois 2 partages, ce qui n'est pas normal. C'est vrai, j'ai 48 likes. Merci pour vos likes. Toute personne qui a liké ma vidéo, que le Seigneur... Je te bénis. Ce n'est pas Dieu qui te bénit. Moi, je te bénis. I bless you. 3 partages. Donc, on va lancer en force dans quelques minutes. C'est très lourd ce que je vais vous donner. Donc, prenez de quoi noter. De toute façon, les choses que je donne dans mes formations normalement. Et cette période, si je n'ai pas trop le temps pour enseigner les gens en groupe. Donc, ce que je fais, c'est que j'enregistre des formations et je vous mets ça. Donc, vous payez la formation, vous regardez vous-même. Partagez ma vidéo. J'ai 11 partages. Alors qu'il y a... C'est très lourd ce que je vais vous donner. 106 personnes qui regardent et 11 partagent. Non, mais franchement, vous croyez que vous n'avez pas besoin de ce que j'ai à vous dire? Non, quittez de ma vidéo. Tom, ne faites pas les décepticons ici. Là. Bonjour, mes ennemis. Je sais qu'il y a mes ennemis ici. Là. Donc, chaque jour, je vous salue. Bonjour, les ennemis. Je ne sais pas comment Facebook ça s'affiche chez vous. Pour le partage. Mais c'est généralement que quand tu vois la vidéo, il y a l'icône partager. L'icône, c'est ça. Tu cliques dessus. Quand c'est des fausses vidéos des filles de Dubaï, vous allez partager. C'est comme ça. Bon. On va lancer bientôt. Prenez de quoi noter, je vous prie. Il y a un shift qui est en train de se passer actuellement. Et c'est en train d'arriver en Afrique. Beaucoup de personnes sont en train de commencer à sortir du conventionnel, c'est-à-dire de vivre des vies qui sont imposées par la société, imposées par des gens, imposées, et commencent à vivre de leur don. Il y a même des vies que c'est l'Église qui vous impose. Je reconnais Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Et quand tu prononces son nom, les démons tremblent. L'autre là, il ne peut pas te mentir. Donc dans votre folie, ne dites pas que Jésus c'est même qui. Never. Never. Même le démon lui-même, il connaît que Jésus là, pardon. Combien de fois toi, tu te places où? Tu es où? Donc dans vos folies là, pardon. Mais dites où Jésus là où il est. Donc la Bible dit dans Ephésiens, merci pour les likes et les partages. Je vois qu'il y a encore 40 personnes qui ont pas liké ma vidéo. Sortez de ma vidéo. C'est ça, petit con. Sortez de ma vidéo, vous avez compris. Brenda, tu as encore écrit. Quand tu écris le message, il ne répond pas, écris encore. Il y a trop de messages qui arrivent. Donc, il y a des messages que... Si tu écris, je fais 6 heures de temps sans regarder. Parfois, c'est le 50e message en bas. Après, quand il défile, je vois seulement 20 messages. Je laisse le reste. La Bible dit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. OK? Il est remonté. En remontant, il a partagé des dons, des cadeaux aux gens. Gifts. En anglais, on comprend mieux. Gifts, like a talent, des capacités. Vous en avez, vous avez des dons de prophétie, des dons de guérison. Vous avez des dons de tu peux regarder que comme ça, là, tu lis son futur. It's not quirky. It's not odd. C'est pas bizarre. J'ai quelqu'un, un membre de ma famille, qu'il a découvert ses dons très tôt. À 20 ans, il avait ouvert l'hôpital. Lui, il a le don de soigner les psychopathes, là. Tu as n'importe quelle folie, quand tu arrives devant lui, là, tu te ranges. Je dis que même si ta tête fait n'importe comment, tu fumes le manga, tu fais n'importe quoi. Quand tu arrives devant lui, tu te ranges comme bien. Il a compris ça tôt.
C'est comme ça qu'il a utilisé ça à son avantage. Beaucoup d'entre vous, vous attendez toujours que quelqu'un d'autre vienne. Mais tu sais, mais je n'ai pas tu as le don si. Arrêtez d'attendre que d'autres personnes viennent vous. Oh, le mot Cameroun. Excusez-moi. Je viens de me rendre compte que de ma fenêtre, j'ai une vue pile poil sur le mont Cameroun. Like, this is hot. Ouais, ça c'est tout moi ça. Je parle d'un truc important après. La formation mission de vie, c'est 100 000 francs CFA. Tu dois être autonome. Ne viens pas pour m'appeler chaque jour que je ne connais pas faire ABC. Je te donne tout, tu regardes. Maintenant, si tu as les questions, tu reviens. Mais il y a les livres aussi que tu dois lire et écouter. Je n'avais jamais remarqué que le mont Cameroun me donnait juste sur ma fenêtre. Bon, repartons dans les choses qui paraissent plus importantes que le mont Cameroun. Ok. Donc, quand Jésus vous a partagé les dons, vous êtes né. Attendez un peu, je crois qu'on est venu. Adeline! C'est qui? D'accord. L'orphelinat est à Douala, ce n'est pas à Yaoundé. Tu as compris ma chérie? The orphelinat is not in Yaoundé, it is in Douala. Attendez un peu, je dois aller augmenter le volume de ma clim. Oui, je l'attendais. Qui commence à valer? Bon, je vais parler de certains dons que vous avez, ok? Au pif comme ça. Certains d'entre vous, vous cuisinez très bien. Ça, c'est un truc qui est très récurrent chez les Africains. Je ne sais pas pourquoi. Vous cuisinez bien. Certains vous coiffez bien. D'autres, vous avez juste... Quand vous parlez, les gens sont abusés. Genre, viens encore me parler. Fais les vidéos, tu me parles, non? Quand je te coupe, je me sens bien. Après, tu te dis, si vous faites le don chez moi, je vis l'argent immédiatement à l'orphelinat. Immédiatement. Donc, si vous voulez faire le don à l'orphelinat, vous envoyez chez moi, j'envoie l'orphelinat. Ok. Donc, vous avez, je crois que j'ai fait une vidéo aussi, j'avais mis le numéro de maman Nathalie. Il y en a qui font les dons directement chez elle. Mais sur cette vidéo, je n'ai pas mis son numéro. Donc, vous me contactez une box ou bien vous faites un don et puis vous dites orphelinat et on envoie immédiatement. Bon. Je ne veux plus dérailler de ce que je suis en train de dire. Continuons. Tu peux avoir le don de parole. On paye pour ça. Hein? Moi, je vous dis. C'est que vous négligez, vous simplifiez. Ou encore le don d'organisation. Quand tu organises quelque chose, ça se passe pristine. C'est juste ton truc. Tu le fais sans effort. Tu connais les meilleurs endroits où on a des trucs moins chers. C'était vous avez le don de décoration. Quand tu arrives, tu... Bonjour la reine Armelle Bella. C'était vous avez juste le don de déco, la déco. Tu peux trouver... On avait un petit budget. D'ailleurs, tous ceux qui vont acheter mon programme, je ne vous encourage pas à utiliser vos dons pour faire des services moins chers. C'est pas très très... Tu peux pas devenir riche si tu fais un service, tu donnes à 1000 francs aux gens. Pour que tu aies 1 million, il te faut 1 million de clients. That's too much. Et l'un des avantages, bonjour la reine Aurore, l'un des avantages quand tu mets tes prix qui sont assez élevés, c'est que c'est pas tout le monde qui utilise tes services. Vous-même, vous savez que vous pouvez m'écouter, mais c'est pas tout le monde qui va venir chez moi. Et ça m'arrange, ça me surcharge pas. TikTok, je viens de me lancer sur TikTok et j'ai 10 000 abonnés sur TikTok. Oh. Je viens de me lancer sur TikTok. Donc, j'ai des personnes qui viennent, genre, j'ai mes Decepticons de Facebook. Là, vous allez sur TikTok, vous commencez à insulter. Genre, 25 000 pour la consultation. Je rectifie, j'ai dit que ce n'est pas 25 000. C'est 65 000. 100 euros. Tu as compris. Tu as compris. Si tu es pauvre, hein, reste avec ta pauvreté de ton côté. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment trop. Si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas qui vous êtes et ce que vous avez, on va vous frustrer. On va te frustrer avec tes dons.
Donc tout ça, j'explique dans le programme que je vais vous résumer ici. Hein? Tu vas aller vendre ça comme ça, qui va acheter? Il y a des gens qui, si vous venez, vous êtes habilleuse professionnelle, je ne sais pas comment on appelle ça, conseiller vestimentaire. Peut-être c'est ton don là-bas. Hein? Combien de personnes tu as dans les bureaux là-bas à Yaoundé ou à Douala qui n'ont pas le temps d'aller acheter les habits dehors? Et qui ont là? Écoutez-moi. Ces personnes-là t'achèteraient le billet pour que tu partes à Dubaï choper pour elles ou à Turquie. Vous allez vous visez les petits, petits business. Quelqu'un te paie le billet d'avion, le séjour à Istanbul. Te sort 10 millions que va choper pour moi et ma femme. Et le boulot de rêve, mon frère. Excusez-moi. Votre don, c'est quelque chose que vous aimez d'abord faire. Quand vous faites, les gens apprécient. Maintenant, vous devez apprendre à le raffiner, à le perfectionner. Vous devez ajouter le luxe sur ça. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à me payer 100 euros pour la consultation ou 150 euros. Il y en a qui me payent 200 euros pour la consultation. Il y a des gens que je passe une journée avec toi, tu me donnes 500 000 francs, c'est pas. Écoutez-moi bien. Seulement pour quelques heures de mon temps. Vous comprenez, non? Personal shopper. Ouais. Il y en a parmi vous, vous connaissez les bijoutiers. Tu peux devenir bijoutier par dérogation, je ne sais même pas quoi. Soyez créatif. Vous attendez trop de copier les gens. Le Camerounais aime trop copier. Hein, je sais qu'il y en a, vous me copiez, non? Vous copiez l'original, non? Ah, je vois, elle fait tel service. Je vois, elle a l'équipe. Il faut qu'elle fasse l'équipe. Je vous. Bon, en tout cas, je vous. Écoutez, j'ai mis en ligne, c'est pour que les gens regardent. Bon, on va rentrer dans le truc maintenant, dans le truc vraiment. La crème de la crème là. Donc, pour monétiser tes dons, la première chose, tu dois d'abord avoir confiance en toi. Savoir que tout va toujours marcher pour ton bien. Parce que ce qui va suivre là, dans ce que je vais te dire plus tard, je vais te demander de t'exposer devant les gens. Et il y en a parmi vous, vous avez peur. Que wow, wow, merci la reine Ang. Merci. Wow, on va prendre mon image, on va aller. Wow, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Tu vas devoir avoir confiance en toi. Et en numéro 2, tu vas devoir faire confiance à la Bible. Tu vas devoir croire en ce que la Bible dit. Que d'ange, écris encore ton message, je vais te bloquer. Tu as compris, ma chérie? Je bloque moi les gens ici. Hey, Jesus is Lord. Beaucoup parmi vous, vous avez beaucoup galéré. On vous a utilisé dans les églises, gna gna gna. On vous a use and abuse et on vous a jeté. Parce que. Parce que quoi? Attendez, je vous dis. Vous ne croyez pas la Bible? Vous lisez la Bible chaque jour, mais vous ne croyez pas ce qu'il y a dans la Bible. You don't believe the Bible. You ain't believing the Bible, boy. Partagez et likez ma vidéo, s'il vous plaît. Pendant que vous partagez, je bénis votre pouce. Ça va compter les billets de 10 000 aujourd'hui. Ce pouce-là va faire beaucoup de billets de 100 euros. J'aime quand vous me payez en euros quand vous arrivez ici. Les euros et les dollars. Bon, continuons. Vous devez croire en ce que la Bible dit, que vous êtes protégé, que vous êtes unique, qu'il y a quelque chose en vous. Vous devez croire que vous êtes unique. Vous devez croire. I have to believe. Vous devez croire que vous êtes le frère jumeau de Jésus. Oui. Et tu te crois, hein? Tu te prends. Hein? Hein? Tu t'appelles la reine lumière. Oui. Oui. Yes. Vous devez croire en vous. Croyez en la Bible, parce qu'il y a des passages de la Bible qui vous protègent déjà, mais vous ne croyez pas en ça. Numéro 3, vous devez croire que tous les chemins, votre passé, vos problèmes, vos abandons, vos ceci, vos échecs, oh, on t'a tapé dans tout ça là. Tu dois croire que tout ça a concouru pour ton bien maintenant. Vous comprenez? Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. And those that are called according to his purposes. Tout a concouru pour mon bien. Donc, toute mon histoire là, comme je suis ici maintenant et je crois que je suis une reine. Oui.
C'est mon passé qui m'a forgé pour m'amener ici pour que je croie. Et je crois. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oh yeah, I think about it every night and day. Spread my wings and touch the sky. Vous devez croire que vous pouvez voler. Donc, en numéro 4, vous devez croire que ce que vous êtes censé faire est en train de venir à vous progressivement. C'est-à-dire, comme l'œuf. Il suffit seulement que l'œuf reste l'œuf et que sa mère vienne déposer ses plumes et son ventre sur lui. Couvre comme ça 21 jours. Après un beau jour, l'œuf dit que, hey, c'est comment ça fait? Kik, kik, il perce. Piou. Après, il sort. Après, il fait piou, 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 piou. Il commence à, il fait comme ça, là, c'est piou, piou, piou. Vous devez croire au processus. Croire, believe in the process. Vous comprenez? You hear me? Croyez que tout est en train de se passer, que vous faites partie d'un processus, like, je ne sais pas comment on peut vous dire. Parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes en train de traverser une période d'upgrade, on appelle ça DNA upgrade. Ton ADN est en train de passer du papillon, non, du caterpillar au papillon. Tu es en train de passer de l'œuf au poussin. Et tu dois croire. You gotta believe. Parce que si tu ne crois pas, tu ne vas pas laisser ta marchandise que tu vends depuis 5 ans là. Ton petit endroit où tu vends les oranges là ou les bananes. J'ai une femme ici à Makepe que je connais, elle vend la banane depuis 2 ans déjà. J'ai essayé de la coacher n'importe comment pour qu'elle quitte. Oh non, tu sais, j'ai peur. Non, non, non. Pour que tu crois et que tu laisses ce que tu es en train de faire pour aller, pour avancer et faire autre chose. Tu dois avoir une conviction intérieure. Que j'ai évolué. Je ne suis plus la femme qui doit faire les beignets là. Beignets, it is finished in me. Beignets, it is finished. Oh, je m'aime, je m'aime. Je suis marrante. Vraiment, je suis marrante. Je m'entends me parler, ça me plaît. Ouais. Ok. Bonjour Lisette Chatué. Bonjour la reine Rolande. Je dois te parler après ceci, la reine Rolande. Ok. Je suis rentrée. J'étais toute la journée d'hier, j'étais en voyage. Donc je suis rentrée. Et j'ai presque fini ce qui était dit qu'il faisait là. Ok. On continue. En numéro 5, vous devez commencer avec ce que vous êtes là où vous êtes. You didn't hear me? Oui, je sais que vous me voyez tous dans vos rêves. Il y a une autre qui m'a dit ce matin qu'elle m'a vu dans son rêve. Parce que je suis censée la laver aujourd'hui. Je fais les lavages aujourd'hui. Je vais faire d'autres lavages aujourd'hui. Donc, elle me dit, elle m'a vu dans son rêve. J'étais en train de sacrifier un animal pour elle. Après, je l'ai lavé. Après, je ne sais pas trop ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, ben voilà, les esprits te montrent ce que tu es censé faire. Voilà. Ok. Tu m'as vu dans ton rêve, ce n'était pas le hasard. Ok. Donc, tu dois commencer là où tu es, avec ce que tu as. N'attends pas que c'est mon oncle qui va me donner 2 millions. Wow, c'est, tu as combien sur toi aujourd'hui? Hein? Et le truc des choisis, c'est que, en tant que choisi, hein, vos dons n'ont même pas besoin de beaucoup d'argent. Listen, you can make money from nothing. You can build wealth from nothing. Votre puissance intérieure est déjà assez. Oh, Shakarababa, oh, Shantara. Je veux prophétiser sur quelqu'un. C'est parce qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Dieu me dit, il était dit que tu as trop attendu parce que tu te disais, j'attends que telle personne investisse pour ouvrir mon. J'attends que telle personne vienne me louer un grand appartement pour que je fasse, dans le salon, je fais ça. J'attends que telle personne fasse ceci. J'attends que je suis là pour vous dire ceci. Vous n'entendez rien. Tu as déjà tout ce qu'il te faut pour devenir millionnaire. Tout est dans tes mains, dans ta tête. Votre énergie est déjà prête. Donc recevez. Certains aujourd'hui, tu vas l'acheter une mamie. Tu vas commencer avec la mamie là. Tu vas préparer seulement dans une mamie. Dans 2 mois, tu auras déjà ouvert le restaurant avec l'argent du bénéfice. Ce qui vous bloquait parfois avant, c'était l'énergie. Parce que quand ton énergie n'est pas bonne,
Même si tu as tous les outils, tu as tout, on ouvre le restaurant, on te donne, tu vas aller, tu vas piétiner, pium, 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 pium. On va venir manger, manger, prendre le crédit, partir. Par contre, quand ton énergie est bonne, tu fais même le beignetariat devant, tu fais même frire les œufs, le spaghetti devant ta porte. Les gens vont s'aligner pour acheter. Vous comprenez? Commencez où vous êtes avec ce que vous avez. I hope it's clear for everybody here. Can I go on? Yeah, let me go on. Let me move on. Yeah, yeah, let me move on. Hey, oh. Oh, j'aime la fin de la cloche. Tu vois quand la cloche a fini de sonner, ça fait un oui. Oh my God, ça c'est trop bien. Vraiment, il faut que j'arrête d'être folle en direct. C'est une bonne folie. Hein. Bon, on continue. J'ai dit numéro 1, croyance que la Bible dit. Que vous êtes protégé, vous êtes unique, vous êtes. 2, vous devez croire que tout marche pour votre bien. Que vous êtes dans un processus et que tout marche pour votre bien. 3, votre passé vous a conduit ici. Genre, découragement, abandon, tout votre passé là. Ça vous a amené ici. Vous devez aussi croire que tout est en train de se passer graduellement. Vous êtes en train de grandir pour devenir la perfection en Christ. Ok? Ok? D'accord. Voilà. Vous devez commencer là où vous êtes. Avec ce que vous avez. En numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. En numéro 6. Vous devez croire que vous êtes unique et que personne n'a vos dons. Personne ne peut faire ce que vous faites comme vous faites. Même si tu prépares le riz sauce gombo. Hop. Pourquoi dire riz sauce gombo? Bon. Même si tu prépares le riz sauce gombo, hein, et que tu as 5 personnes dans ton quartier qui font le même riz sauce gombo, personne ne peut avoir ta touche personnelle. Et tes clients vont venir parce qu'ils aiment, ils aiment le. Vous voyez un peu, non? Le menjanga que vous mettez dedans là. C'est ça que. Ça fait comme la cloche, ça fait comme ça là. C'est ça qui plaît à tes clients. Comme ça la poudine. C'est le menjanga. J'ai même sorti le menjanga là. Pourquoi tu menjanga? C'est ça. Vraiment, je suis de bonne humeur ce matin. Ça veut dire qu'il y a plein d'argent qui a été révélé. Tchi! 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 Il y a quelqu'un ici qui fait que Maggie même Mambo. Vraiment, je ne vais pas te répondre parce que je suis en train d'enseigner sur autre chose. Tu as compris Maggie? J'ai plein de vidéos ici, tu vas regarder ça. Voilà. Numéro 7. Tu dois utiliser les autres personnes pour t'inspirer. Pas te comparer. Et ce qu'il y en a parmi vous, vous vous comparez à moi. Hé! Hey, oh! Ha. Écoutez, vous ne me dépassez pas, je ne vous dépasse pas. Vous êtes vous, je suis moi. Et il y en a parmi vous, vous me regardez seulement parce que c'est moi. Like, vous ne savez pas pourquoi, mais vous aimez me regarder, like, you know. Moi-même, j'aime me regarder. Il y a juste un truc, you know, quelque chose. Vous ne savez même pas pourquoi ou quoi. Mais vous, c'est ça. Si tu danses, non, papa. Tu danses, non. Les gens aiment te regarder parce que, juste parce que de toute façon, tu tournes ton corps. Donc, utilise les autres pour t'inspirer, pas pour te comparer. Parce que quand tu te compares, tu te dénigres. Ah, regarde sa part, regarde comment elle est bien. Ah, regarde comment elle fait, regarde comment elle parle bien. Regarde comment elle est éloquente. Hé, hé. Moi, elle ne peut même pas, maman. Elle ne peut même pas. Vraiment, tu te descends déjà. Let's continue. Vous devez utiliser les réseaux sociaux comme des outils. YouTube peut être votre université. La plateforme pour vous lancer, c'est-à-dire l'université, tu regardes, tu apprends. Deuxièmement, tu utilises la plateforme pour te lancer. Troisièmement, tu l'utilises pour t'inspirer. Tu peux regarder les autres vidéos des gens, tu t'inspires de ça pour créer ta part de contenu. Ok? Facebook, pareil. Bon, là, c'est le numéro 8, je pense. Utilise les réseaux sociaux comme ton outil. Bonjour la reine Marie-Blanche.
Donc, les réseaux sociaux peuvent être ton université, tu apprends, tu te lances et tu t'inspires. Donc, en numéro 9, tu dois reconnaître les saisons de ta vie, de ta croissance spirituelle. Tu peux avoir une saison où, vous savez, tous ceux qui me regardent depuis 5 ans, vous savez comment j'ai évolué. Et c'est maintenant que je comprends que I'm just evolving into the best version of myself. And that version is growing every day, you know. Les francophones, vous devez apprendre l'anglais. C'est quoi avec vous? Hein? Je dois pouvoir parler, c'est là, je passe en anglais, après, I switch to French, and then I'm like, you know, I'm going to speak into English for like, you know, for 5 minutes, and then you're like, okay, we'll get you. Après, je dis que oui, je comprends, on continue maintenant en anglais. Et oui, on te comprend. Voilà, bon. Vous devez reconnaître les saisons de votre vie. Parce que quand tu vas commencer à utiliser tes dons vont évoluer. Il y a une saison où j'étais pasteur seulement. Il y a une saison où j'étais coach seulement. Il y a une saison où j'étais seulement. Je suis arrivé à la spiritualité. Donc, il y a des jours où j'apparais ici, je suis pasteur seulement. Je dis, Jesus is Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Il y a des jours où j'arrive ici et vous motivez seulement. Yes, you can do it. You can. Yeah, believe in yourself. Yeah. Il y a des jours où j'arrive, j'enseigne. Il y a des jours où j'arrive, je dis, voilà comment on prend le sel. On fait ça. On prend ça. On met comme ça. On mélange. On lit le psaume ici. Après, on verse ça ici. On fait comme ça. You hear me now? Même le pidgin. Il est get me. Il est hier, ma Dolly. Ok. Vous devez reconnaître ces saisons. Tu peux commencer par une chose. Tu évolues. Tu évolues. Et quand tu évolues, l'esprit te challenge ou bien te pousse ou bien te. You know, you start morphing into something else and you feel like. I just want to read energies now. I don't want to cook. I don't want to plait hair. I just want to read energies. Tu arrives dans une saison où tu ne veux plus préparer, tu ne veux plus faire les cheveux, tu veux maintenant lire l'énergie des gens, tu veux même faire les massages, tu veux faire le reiki dans ta chambre, tu veux transformer ton salon en un salon de méditation. Just do it, you know? Faites-le. Ma belle, tu m'as rencontré en face. Je suis en train de vouloir faire un programme, si Dieu me permet. Je vais vous montrer comment avoir de l'argent en ligne sans avoir des vues. Genre, tu peux avoir 10 000 abonnés, 100 000 vues par vidéo, et tu as 0 euro que tu t'es fait. Tu peux avoir 20 abonnés, 50 vues par vidéo, tu te fais 3 000 euros par mois. It's all about strategy. It's all about strategy. Donc ne cherchez pas seulement les vues. C'est vrai que c'est satisfaisant quand tu vois on t'a regardé 10 000 fois, 10 000 vues. Mais si pour moi, si ça ne donne pas l'âme, là je vous explique quelque chose. C'est ceci. À la fin de ceci, ceux qui sont intéressés par le programme complet et détaillé, vous pouvez me contacter. Je sais que de ce direct, si j'aurais peut-être quoi, je peux avoir 10 personnes qui viennent et me dire, je vais acheter ton programme. Donc les 10 personnes là, si je vous demande 150 000 chacun, ça va me faire 1,5 million comme ça là que je me suis fait comme ça, revenu passif. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc ne parle pas seulement pour parler. Les dons sont faits pour être. Et quand tu ne sers pas tes dons aux gens, tu ne les aides pas. Ça arrive dans l'autre point. Je sais pas, j'ai peut-être 42 points. C'est pour ça que je dois vite t'enseigner. Non, c'est pas 42. Peut-être 22 comme ça. Ok, continuons. Vous devez changer avec les saisons. Donc, changer. Quand vous sentez que je suivais trop la personne-ci avant. Maintenant, je ne sais pas, j'ai envie de suivre plutôt l'autre personne-ci. Quand ma saison va sortir de votre vie, partez seulement. Quand vous allez arriver à un moment où vous n'arrivez plus à m'écouter, genre quand vous me regardez, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte même? Elle m'énerve. Pardon, c'est que ma part de mentoring est finie dans votre vie. Mes fils et mes filles spirituelles, vous connaissez. Quand quelqu'un arrive que c'est sa saison qui est en train de partir, j'ai dit seulement farewell. Farewell. Il dit farewell. Il dit, the Lord bless you and keep you. May his face shine upon you and be gracious to you. Ah oui. Accepté. Ouais. Donc,
Il y a les réseaux comme Facebook, tu peux faire des lives. Les lives permettent de voir si tu es vrai ou pas. Parce que dans le live, tu ne peux pas cacher les émotions, tu ne peux pas mentir longtemps. À un moment, tu vas faire, tu vas roter ou tu vas péter, ou bien tu vas, excusez mon terme, je ne parle jamais de ce genre. Mais il y a un truc que tu vas faire qui va faire que les gens vont se dire, la fille, c'est là. Elle prétendait, en fait. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui ont des trucs où ils trop fabriqués, ils font très rarement des lives. Donc le live, c'est quelqu'un, surtout en tant qu'agent de lumière. Le live, c'est quelque chose où tu peux passer facilement ton énergie aussi pour éliminer les gens. Là, c'est la vérité, quoi. Instagram, TikTok, vous pouvez aller sur ces plateformes-là aussi. Donc, vous devez aussi habituer-vous à ce qu'on parle de vous. Ça va vous aider pour que vos dons soient utilisés. Quand tu commences à utiliser tes dons, supposons que tu étais secrétaire, 50 000 le mois, 70 000, 80 000 le mois, le mois, ok? Tu commences à te dire, mais tu m'écoutes, après tu dis, je vais me lancer comme. Tu te lances dans quelque chose, tu lances, tu prépares pour les gens, tu fais, je sais pas, tu lances un truc, ou bien conseiller vestimentaire. Les gens vont commencer à énerver les gens parce qu'ils vont, attends, elle a habillé le boss lui a donné 1 million pour 2 semaines de travail, alors qu'avant elle touchait 100 000. Tu te prends pour qui? Les gens vont commencer à parler de toi. Généralement, c'est pas en bien. Bonjour, mes ennemis. Ah, je purifie l'atmosphère, je mets la lumière sur vous. Nettoie l'atmosphère. Toute mauvaise personne avec toute mauvaise énergie qui vient d'arriver ici. J'absorbe cette énergie, je la transforme en lumière et je vous renvoie. I send you light. Yes. Light. Je vous envoie la lumière. Voilà. Si quelqu'un veut me saboter, c'est bon pour lui, non? Donc, vous allez devoir vous habituer à ce qu'on parle de vous. Si c'est sur les réseaux sociaux, j'ai des vidéos que j'ai faites, genre pourquoi tu es bloqué, comment savoir que tu es bloqué. Ou bien sur TikTok récemment, comment savoir qu'on a volé mon étoile. Les gens. Jennifer Yekel, je respecte ton avis, tu as compris. Ne commercialise pas ton don, tu as compris, Jennifer. J'ai très envie de te bloquer, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi, je fais ce que j'ai envie de faire, c'est fou. Ouais, Seigneur. C'est ça qui est bien quand tu as ta page. Ouais. Vous faites partie des gens qui sont dans les églises. Non, ton don de prophétie, tu ne dois pas. Tu prophétises sur les gens, ils ont leur voiture, ils ont leur maison, ils se marient, ils avancent. Tu n'as jamais reçu 5 francs. You des fools. You des fools, oh. You fool. You fool. Vous savez ce que fool veut dire, non? F-O-U. Fou. Bête. Non, le Seigneur te récompensera. Le Seigneur te récompensera. Le Seigneur. Est-ce que vous savez que même les rêves. Moi, vous me payez pour que j'interprète les rêves. Hein? Oh, mon rêve veut dire quoi? Si ça me chante, j'interprète comme ça. Là. Ça ne me chante pas, tu me payes. Tu ne veux pas, tu laisses. Tu as compris? Tu ne veux pas, tu laisses. Voilà. Voilà. On est d'accord? J'ai prophétisé sur toi. Après, je n'arrive pas à payer mon loyer. What the hell are you talking about? Parce que les agents de lumière, parfois, ça vous prend beaucoup d'énergie pour faire ça. Tu pars, tu prends le temps, tu lis l'énergie de quelqu'un. Ça t'a pris l'énergie même d'une demi-journée. La demi-journée, là, tu es dans les vapes. Tu n'arrives pas parce qu'il faut que tu te recharges. Les dons ne sont pas pour être commercialisés. Pardon, ce n'est pas votre page ici, là. Vous vous êtes trompé de porte. Fermez la porte, vous sortez, partez. Non, sortez, vous fermez la porte, c'est mieux. Voilà. Donc, vous devez vous habituer à ce qu'on mal parle de vous. Vous devez vous habituer. Et c'est même mieux qu'on parle de vous. Tant que tu ne dis pas quelque chose que les gens viennent commencer à t'insulter. Oh, qu'est-ce qu'on va pas encore dire de moi? Que oh, sorcière. Oh, tu vas aller en enfer. Que oh, Jésus, est-ce que je. Ouais, que. Ouais, quel est. Et que ça me dérange. Il ne va pas me. Ça te fatigue. Ouais. Ouais. Et quand quelqu'un valorise, j'ai remarqué que chaque fois que j'ai donné quelque chose gratuitement,
sans avoir été poussé peut-être par l'esprit. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, après la personne part, il ne fait rien avec. Je dis que merde, quel gâchis d'énergie. Non chérie, tu étais bête. You were silly, silly you. Silly you. Je vais dire à ma collègue, oui, je vais lui dire, tu passes une heure de temps sur elle, tu la remontes, tu donnes, tu... Quand les gens veulent guérir, ils vont mettre le prix. Quand tu pars à l'hôpital, pourquoi tu donnes l'argent pour qu'on te guérisse? Hmm? Why? Excusez ma vie. Excusons-nous. Continuons. Vous devez vous habituer à ce que les gens parlent mal de vous. Et quand on parle même mal de vous, c'est bien. TD Life, écrit sur le numéro camerounais, le numéro ivoirien, je vais lui parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Mais dans les dérangeurs pour mon direct, voilà. Écris sur le numéro camerounais, on va te répondre. Vous devez être très focus. Parce que quand tu vas commencer à utiliser tes dons, tu vas commencer à mettre des vidéos, monétiser tes dons, proposer tes services aux gens, les gens vont commencer à vouloir te distraire. Ils vont venir sur tes directs, ils vont vouloir te montrer que je connais plus que toi. Écoute, si tu connais, va faire ta page Facebook. Naweti. Si tu connais mieux que moi, je n'ai jamais dit que j'avais le monopole parce que j'apprends chaque minute. Parfois, c'est quand je le dirais, c'est que j'apprends une nouvelle chose. Va, crée ta page. Parle. Le jour où tu vas m'attraper là-bas, on t'a été critiqué. Vraiment, je ne sais pas. C'est que peut-être j'aurais glissé, mes doigts auraient glissé sur mon téléphone. Je ne sais même pas comment ça va faire. Anyway. You see what I mean? Merci pour le partage. Merci pour ceux qui sont en partagé mon direct. Voilà. Ah. Oh, hey. So live your life. Wow. Hey. Because we're living the good life. It's all right. Hey. All right. Alright, yeah. Ben, ils vont encore commencer à vous détester parce que quand ils vont commencer à voir que seulement le fait de savoir que vous avez réalisé finalement que vous avez les dons et que vous utilisez vos dons, ça va les énerver. Parce qu'ils ne vont pas attendre que de voir que l'argent commence à tomber. Ah, donc elle est consciente qu'elle est guérisseuse. Quand j'ai commencé, si vous voulez savoir comment ma famille a commencé, que wow, on savait que tu as ça depuis, vous ne m'avez pas dit pourquoi. Wow, il faut faire attention. Wow, wow. Je dis que pardon, allez voir avec vos wow. Allez faire la chanson avec le wow, wow. Pardon, laissez-moi tranquille. Mm-hmm. Après, maintenant, ils se sont transformés en Decepticon. Ils viennent maintenant sur ma page, comme ça là. Comme les petits serpents là. Ils se cachent. Ils ne likent jamais ma page. Ils ne partagent jamais ma page. Ils ne... Chaque matin, dès qu'ils se réveillent, ils ouvrent les yeux. Il faut que je vois si l'affaire est directe. Quand l'homme glisse, ça like ma vidéo, il sort une fois. Que hey, j'ai liké la vidéo de la fille là. Hey, faut pas qu'elle sache que, faut pas qu'elle sache que j'apprécie ce qu'elle fait. Mais hey, la fille là. Ma chérie. Tu as acheté le kit de blocage, tu n'as même pas fait la moitié du chiffre d'affaires. Mm-hmm. N'est-ce pas? Ne fais plus de travail spirituel, tu as compris? Tu as compris? Hé ma chérie, arrête ton travail spirituel. Hein. J'ai fait des vidéos souvent, je vous dis que je n'ai pas commencé ici, je n'ai pas commencé aujourd'hui. Là, c'est pour éviter que les paresseux ou paresseuses ne viennent me faire des commentaires. J'ai acheté, ça fait 2 semaines. Oui, je ne vois pas les résultats. Tu sais combien de kits je vends? Il y a les gens qui vont finir tous les kits, ils vont encore reprendre depuis le début. Il y a les blocages plus, il y a les blocages plus, il y a les blocages exponentiels. Pas fait le chiffre d'affaires. Abandonne alors, ferme ton entreprise, mamie. Viens et te rembourse le kit que tu as acheté là. Tu pars, tu ne fais plus de travail spirituel. Pas de persévérance. Never, nothing. Why? Donc vous devez être focus. Parce qu'ils vont venir vous attaquer. Vous devez avoir un plan. Quand tu commences tes vidéos, tu dois avoir un plan pour demander l'argent au client. Comment est-ce que tu peux me dire ça? Pas que tu fais les vidéos parce que tu veux l'argent, mais
quand tu viens en ligne, à la fin, tu dois avoir un service que tu vas proposer aux gens. Parce que parler des problèmes des gens sans les aider. Parler des problèmes aux gens. Oui, c'est vrai, on a volé mon étoile. Oui, c'est vrai. Si après ça, tu ne proposes pas que, ok, voici la solution que j'ai. Voilà la solution que j'ai. Peut-être que tu es quelqu'un que quand tu pries, ça aide beaucoup les gens. Oui. Je suis en direct, je t'écoute. Je n'ai pas encore fini. Ange Christelle, comme tu n'as pas le fond, alors je fais comment? Tu me dis que je fasse quoi? Je n'aime pas quand une femme est bête. Tu ne peux pas être belle et bête. Ce n'est pas bien. Quand vous voulez poser une question, réfléchissez. Soyez intelligente, non? Je vais te regarder ensemble et dire que non. This woman is wise. Jesus. She's cunning. She's cunning. Le mot c'est cunning. Bonjour, cœur blanc, les Ivoiriens là. Bonjour, la reine Fatou depuis le Côte d'Ivoire. Je vais bien, merci. Donc vous devez avoir des services et des produits que vous proposez aux gens. Pas un seul truc. J'ai fait dans un truc. Tu sais, quand la chose ne va pas, le monde ça ne marche pas, tu fais comment? Numéro quelque chose, vous devez avoir confiance, ok, que les gens vont venir à vous. Je parle comme ça, vous allez le commencer. Ça fait 2 semaines que j'ai fait mes vidéos, personne ne me contacte. Maggie Mambo, je dois te bloquer. Non, je ne te bloque pas encore. Donc, vous devez avoir confiance que les gens vont venir à vous. Si ce que tu es en train de faire là, c'est ton don, c'est une idée que tu as eue, ne te dérange pas. Et parfois aussi, tu es en train d'être testé. Parfois, tu es en train d'être testé. Est-ce qu'elle croit même en son don qu'elle dit qu'elle a là? En 2016, je me mettais sur les réseaux. Je suis la creuseuse de talent. Je suis 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est maintenant que vous me voyez, non? C'est l'année que vous êtes tombé sur ma vidéo, non? Ok, continuons. Chacun comprend ce qu'il peut comprendre. Vous devez ajouter de la valeur aux gens. Ajouter de la valeur. Faut pas que vous connectez pour raconter n'importe quoi, pour perdre le temps des gens. Don't waste people's time. Parce que le temps des gens est valuable. Oui. Précieux. Quand quelqu'un fait que quelqu'un s'assoit et t'écoute, quand il quitte de là, il dit, j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose qui va m'aider dans la journée pour que j'ai 100 000 de plus. Pour que j'ai 500 000 de plus. Quand tu fais ça, tu seras incontournable, inévitable. J'ai appris quelque chose qui va m'aider à me libérer, me débarrasser du mari de nuit, me débarrasser de telle énergie. C'est comme ça, apporter de la valeur aux gens. Tu viens, tu demain, tu fais comme ça, là, tu danses, tu montres tes fesses aux gens. En tout cas, ça c'est moi. Je ne sais pas si c'est seulement moi vraiment, mais j'ai jamais eu envie de monter mon derrière aux gens. Pourquoi? Tu fais, je vais monter mon décolleté. J'ai toujours voulu être une femme qui est belle et qui a de la substance dans le cerveau. Donc, quand j'ai coché la case de la beauté, j'ai dit check. Ok. Maintenant, il faut que je remplisse ma tête. Mm-hmm. La tête, ça se remplit. Hein. Oh, je ne suis pas née comme je suis là. Je lis, je me documente, je fais des formations, je médite, je creuse ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mm-hmm. Donc, vous devez ajouter de la valeur aux gens. Ajouter de la valeur. Quand vous allez ajouter de la valeur comme ça, ils vont vous faire confiance.
Ok, au lieu d'aller acheter le sel là-bas, je préfère aller acheter chez toi. Au lieu d'aller acheter mon bracelet, tous les produits que je vends, vous pouvez acheter ça en ligne chez n'importe qui. Pourquoi certaines personnes pouvaient venir chez moi? Parce que quand tu enseignes, ça me plaît. Donc on va venir vers toi parce qu'à cause de la valeur que tu apportes. Il faut toujours donner plus que tu ne reçois. Donne toujours plus. Donne toujours plus. Si vous voulez m'écouter, vous n'écoutez pas. Vous devez avoir des services précis. Le premier jour que tu fais ta plateforme, tu dois avoir des services, produits et services précis. Autrement, tu perds le temps des gens, tu ne les aides pas. Numéro quelque chose, peut-être numéro 17 ou 16 ou 13, je ne sais pas. Numéro quelque chose. Vous devez lancer des services, update, upgrade, tu t'améliores. Vous voyez que depuis août, septembre l'année passée que vous me suivez. Ouais, non. Il y a beaucoup de nouveaux services que j'apporte. Cette saison, je vais vous dire, ok, je vends le kit ceci. Après, il vient, je dis, oh, je fais ça. Après, augmentez donc, ajoutez toujours de nouvelles choses. Ajoutez toujours, ajoutez toujours. Ajoutez. Ouais, 5 fourchettes. Vous, là, quand vous servez les gens, c'est beaucoup. Mes filles n'ont pas pu finir la nourriture la dernière fois. C'était beaucoup, beaucoup. Chaque fois qu'elle mange chez vous là-bas, je n'arrive pas. Il n'y a que les ailes de poulet que vous faites au début là. Ça, c'est un truc que je pars là-bas seulement pour manger ça. Vous voyez un peu, non? Donc, Hervia de Bounamou, ça dit 5 fourchettes. Allez là-bas manger, c'est un très bon resto. Vous prenez aussi le, ils ont le truc là, le cheese naan bread. J'aime bien ça. C'est le naan bread avec le fromage. J'ai beaucoup aimé ça aussi, voilà. C'est mieux. Parfois, quand je veux pas aller me saturer dans le truc qui est à côté où on va les baigner, je pars là-bas parce que c'est privé, c'est bien. Et les serveuses sont gentilles. En plus, elles ont très beau derrière, franchement. Moi, j'aime quand les femmes sont belles. Ça me plaît, moi. Continuons. Bon. Vous devez toujours augmenter les services encore et encore jusqu'à ce que, supposons, tu mets 5 services ce mois. Des 5 services que tu donnes, 2 marches. On a déjà fait les travaux chez moi. Ils sont en train d'installer mes rideaux. Donc, des 5 services que tu as offert, non. 2 marches. Le mois prochain, tu enlèves les 3 supplémentaires qui ne marchaient pas. Tu crées encore 2 ou 3 autres. Et tu gardes les 2 qui marchaient. Donc, va avec le flow. Go with the flow. Go with the flow. Like, you know, go with the flow. Ce qui marche. Lance encore, upgrade, améliore tes produits, forme-toi, apporte de nouveaux produits, écoute ta clientèle, écoute, ton client arrive pendant que tu fais son massage, il commence à dire, wow, j'ai aussi un problème ici là de nerfs, tu pars, tu cherches ce qui soigne les nerfs, tu viens, tu déposes, que la prochaine fois il vient, tu lui dis, je fais aussi les trucs pour les nerfs, tu dois écouter ton public, écoutez le public, listen to your people, they will help you, they will guide you, they will guide you. They will help you, they will guide you, they will guide you. Ok. Bon. Un numéro quelque chose. Bon, il faut qu'on trouve un numéro précis, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, numéro 17. Spécialisez-vous dans ce qui marche. Merci, monsieur Eric Franck. C'est ce qui marche que vous mettez beaucoup plus d'argent dessus. Ce qui marche. Si tu fais les beignets, tu fais haricots bouillis, chaque jour on te demande le poisson, poisson, poisson. Achète le poisson, tu viens, tu ajoutes. Si le premier jour que tu mets le poisson, on demande poisson, on mange le poisson jusqu'à le lendemain, prends la, augmente l'argent, tu mets encore plus de poisson. Vous comprenez? Vous comprenez? All right. Let's go. Okay, my girl. Ok, on continue. Spécialisez-vous et perfectionnez-vous dans ce qui marche. Ça, c'était le point 17. 18. Il faut acquérir des connaissances extra qui ne sont pas légales, qui ne sont pas... Ah, comment est-ce que je peux dire ça? Tu ne vas pas avoir l'université au Cameroun qui va t'enseigner le Reiki, par exemple. Ou bien la lecture du tarot. Ou bien comment guérir avec les pierres.
Mais si tu vas en ligne, tu peux apprendre à faire ça. Pas te spécialiser dans les choses qui sont, en anglais on dit odd, you know, quirky, you know, les choses bizarres. Pas bizarres, mais quelqu'un va jamais te dire, ouais, j'ai ma licence en Reiki, vous savez, j'ai ma. Non, 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 non. J'ai ma licence en guérison. Non. Vous voyez un peu. Parce que quand vous allez faire ça, vous allez déposer ça dans votre village. Il y a des gens qui vivent à Bayangam, vous me suivez. Vous êtes à Bangante, à Badjoun. Faites le salon de massage à Badjoun. Igowaka, ça va marcher. Vendez les cailloux là, les pierres là, vendez ça à Badjoun, vous allez voir. Votre don est. Tu peux rester, tu veux augmenter tes revenus de 2 millions parce que tu veux compléter pour acheter le terrain comme la fille là. Au lieu de demander la prière, vois plutôt quelle idée est-ce que Dieu t'a donné dans la nuit que tu peux monétiser, qui va te donner 2 millions en plus. Et tout le monde dira que oh, prie pour moi pour que j'ai l'argent. Allons, Bouddha. Je préfère m'asseoir, je t'enseigne. Quand Jésus enseignait, les gens étaient guéris. Quand il enseignait, parce qu'il enseigne, tu comprends. Organiser des classes, non? Pour enseigner aux gens. Je devrais même faire des cours de prospérité. Il faudrait qu'on lance des classes de prospérité. 10 000 francs par mois. Comme ça, si j'ai même 500 personnes, ça me fait combien? Comptez un peu l'argent. Comptez mon argent, s'il vous plaît. J'ai remarqué qu'il y en a parmi vous, vous comptez mon argent pour moi. L'autre jour, au fait, elle me voit, je suis en train de faire le lavage. Elle voit les gens dans la salle. Elle dit que 30 000 fois combien? J'ai dit, au fait, oh Seigneur, si tu savais combien de personnes j'ai lavé, c'est que tu ne compterais même pas. Tu n'arriverais pas à compter, c'est trop. Ce n'est pas ceux qui sont dans la salle. Donc, enseigner, donner des classes. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir augmenté des connaissances qui ne sont pas conventionnelles, qui sortent de la norme. Et mélanger ça avec ce que vous connaissez déjà. Il y en a parmi vous, je sais que vous ne saviez même pas qu'on peut utiliser. Il y en a quand vous massez peut-être des gens, vous massez les pieds des gens, ils guérissent. Vous pouvez rééquilibrer l'énergie des gens en massant leurs pieds, leurs mains, leur visage, leur tête. Des gens payeraient pour venir s'asseoir, vous touchez seulement leurs pieds comme ça, vous touchez leur tête comme ça là. Après, ils sortent 50 000, ils te donnent. C'est la valeur que tu apportes au client. Continuons. Les jaloux vont mourir. Ils vont mourir 3 fois. Numéro 19. Tu dois toujours chercher à répondre aux besoins du marché et du client. Pas ce que toi tu veux offrir aux gens, mais ce que les gens veulent. Donc j'ai dit ça tout à l'heure dans un point là, comme ça, en aparté. Listen. Écoute ce que les gens demandent. N'offre pas ce que tu veux. Ah, je trouve que ça c'est cute. It's nice. I think I'm going to give that, you know, as a service. Non, 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 non. What do people want? What are people asking? That's what you're going to do. Vous devez être courageux et patient. Courageux pourquoi? Courageux parce que. Il faut du courage pour te mettre devant la caméra comme je fais cela. Je connais, vous ne pouvez pas savoir le nombre de messages des haters que je reçois. Ah, Jesus is Lord. Ah, je vous bénis. Jésus savait. En fait, hier, quand j'étais sur l'autoroute, une pensée m'est venue, mais attends un peu. Jésus avait les haters. Il nous a montré comment adresser nos haters. Love your enemies. Pray for people who use you and despise you. Donc en fait, Jésus il avait sûrement la salle d'attente des ennemis. Il dit, hey, bonjour les ennemis! Ouais, Jésus! Oh, il est méchant. Regarde comment il est maigre. Regarde comment il a la barbe. Mais il se prend pour qui? Il dit qu'il est le fils de Dieu. Hein? Non, on va se rassembler contre lui. Hey, le club des haters! Yay! Jésus était conscient de ça. Donc vous devez avoir le courage. Ça demande du courage de savoir que je sais que vous me détestez. Mais malgré ça, je vais pousser. I'm going to push through the hate. I'm going to push through the hate. Oui, je suis occupée. Quand vous m'appelez comme ça, j'ai fait comment? I'm going to push through the hate and put what I have in me out there. Malgré votre haine, je vais pousser. Et je vais mettre ce que j'ai comme don.
la douleur. Et la patience, ça veut dire que quand tu vas mettre au départ, parfois ça va un peu glisser, tomber. Oups, tu ramasses seulement, tu dis que ok, tu essuies la saleté sur son corps. Tu dis on continue. L'escarpion, courageux et patient. Vous devez en dernier point en numéro quelque chose, peut-être numéro 21, 22. Ouais, donc on appelle quelqu'un comme ça. Ouais, na waiting non. Allô. Oui. Bonjour. Rappelle-moi dans 10 minutes. Ouais. Ouais. Vous-même aussi. Vous devez avoir des personnes qui vous inspirent. Parce que si vous fonctionnez seulement sur vous, vous seul, vous allez vous décourager à un moment. Vous devez avoir deux, trois personnes, une personne dont vous tirez l'inspiration, qui vous motive quand vous écoutez. Pas forcément que vous devez connaître la personne personnellement, hein, parce que le problème, l'ennui quand c'est personnel, c'est que tu vas vouloir parler à la personne tout le temps. Il y a ça qui se passe, je fais comment? Je fais comment? Mes mentors sont sur les réseaux sociaux. Ils ne me connaissent pas. Je les connais. Je pars, je prends la valeur que je veux. Je prends la formation dont j'ai besoin. J'achète. Je m'assois, je regarde ce qu'il a mis dans sa formation. Je prends ce que j'apprends. Off, I go. Je vais faire ce que j'ai fait. Apprenez l'indépendance spirituelle. Je vais vous gifler avant de vous dire ça. On vous a appris à vous pomponner dans les églises. Vous êtes des bébés spirituels. Oh, on voit que tu n'es pas venu à l'église avant-hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme, ne viens pas, mouf. Vous me connaissez, non? You know me now. Je suis impressionné par la foi et par le travail. Rien d'autre. Rien d'autre. La foi et le travail. J'ai besoin de toi. Je vais. Conseille-moi. Comme je n'ai pas le temps et je ne peux pas te conseiller. C'était m'écrire souvent. Oui, je voulais te parler. C'est après un mois que tu me recontactes. Donc si je devais mourir, c'est que je mourrais. Ma chérie, j'ai au moins 400 vidéos en ligne. Ça fait 5 ans que je fais les vidéos. Si tu ne peux pas t'asseoir, tu écoutes. Et que tu veux forcément me parler. Après, tu vas te fâcher. Fâche-toi! Et le pire, c'est que si tu meurs, tu sais quoi? Si tu meurs, le monde va continuer de tourner. Tu vois, tu fermes les yeux, tu fais. Oh, tu meurs. Après, tu ouvres un peu un œil comme ça. Hey, la tête tourne toujours. Oui, 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 oui. Il faut que tu sortes. Tu vas sortir de ton pétrin toi-même. Personne ne va. Même ton mari. Vous avez compris? Je vous dis ça cru. Raw, as it is. I don't give a. Je m'en bats les locks. Vous voulez me détester? Yes! This is what we're talking about. Ok, bon, vous avez suivi tout, non? Vous avez suivi tout, non? Soyez indépendant. C'est ce que vous aimez qu'on s'occupe de vous. Wow, wow. Je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. Combien est-ce que ça a fait dans ma vie, là? Comme c'est la seule chose que moi j'ai fait. Quand il me lève le matin, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Wonderful. Wonderful. You ride, I wanna go, go. Yes, yes, j'ai attaché mes nez, j'ai fait mes pompons. Bon, j'ai terminé cette vidéo particulièrement. Je crois que ça va pas rester en ligne longtemps parce que je vais en faire un programme détaillé. Détaillé qui vous permettra de que je vous vendrai. Non, 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 c'est pas parce que Adeline travaille pour moi que je vais plus attacher mes. Ouais, okay. Toi aussi, Liliane, faut laisser Adeline tranquille.
Adeline n'a pas de droit de travail. Vous connaissez mes gens. Vous allez me venir chez moi dire que Adeline, Adeline. Souvent, il y en a parmi vous, vous arrivez chez moi, vous faites comme si on se connaissait depuis longtemps. Jusqu'à mes employés disent que ta soeur est venue. Je dis que mamie, je ne la connais même pas. Voilà, j'ai bien attaché le côté ici. Vous passez une bonne journée, ok. Utilisez vos dons, perfectionnez vos dons. Mettez votre don à la disposition du monde entier, du public. Lancez-vous. Le monde ne tourne pas seulement autour de vous. J'ai honte, j'ai peur, j'ai. Il ne s'agit même pas de toi, ma chérie. Ok? Il y a des gens là-dedans qui ont besoin d'être guéris. Ils ont besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Bonjour la reine Amen. Je suis bénie. Ouais, je suis bénie. Merci. Merci pour ceux qui prient pour moi. Merci pour ceux qui me bénissent. Ceux qui me maudissent. Vous savez que ça fait comme l'eau sur la plume du canard. Après, je pense à ça. Shake it off. Shake it off. Ok? Je vous envoie de l'amour. Je vous envoie de la paix. Namaste.